Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est toujours à Bolène et donc nous allons visiter un village troglodyte. C'est ça, les filles? Ouais. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle le village de Barry. Donc là, on est sur genre de montée vertigineuse, quoi, comme un peu sur le Tour de France. Et puis, on va vous montrer tout ça juste après le générique. À tout de suite. Ciao. Et on arrive, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et des vieilles maisons troglodytes. Superbe. Une espèce de belle falaise là, c'est magnifique. Avec le soleil couchant. Impressionnant. Jeanne, on va voir là, on monte. Alors mes randonnées, enfin voilà. Alors allons visiter. Bah je sais pas, mais on va le prendre. Ah ouais. Avec un beau toit, tout. Ah ouais, regardez la cheminée, comme elle est belle. Donc là, hop, grande cheminée. Et le Père Noël, il peut passer. Comme ça, le Père Noël, voilà, il peut passer. Alors, on va voir l'autre. Sympa, les maisons troglodytes de Barry. Ah ouais, c'est des grandes pièces. Hein. Encore une belle cheminée, là, regarde. Waouh. C'est beau, hein. Attends, je vais filmer un peu à l'écart là. Ouais, point de vue extérieur, ça donne ça quoi. Il y a un étage, comment ça? Attends, on va aller voir. Oui, mais c'est... Ah la vache! Ah oui, là c'est profond. Là, il y a des rangements, il y a encore une cheminée ici. Non, mais regarde derrière. Superbe. Et donc là, ah oui, mais il faudrait mettre la lumière. Attends, je vais mettre la lumière. Ah oui, c'est une grotte. Ouais, ça devait être une chambre. Attends, passe tout le téléphone. Ouh, oh. Allez, on continue la visite. Non, 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 non. Il doit y avoir des truffes partout. C'est la saison des truffes dans le coin. Là, il y a le lavoir. Ici, ça doit être le lavoir du village. Et tout là-haut, il y a des toutes petites maisons partout. Avec des cheminées. C'est pas mal, hein. Il est sympa ce site. Ça doit être le lavoir. Voilà. Alors on continue. Je me verrais pas habiter là-dedans quand même. Ça doit être humide. C'est quoi ce truc? Ah, regarde la montée. Regarde la montée, tu vois. Ici, là, hop, on monte pour aller dans le village en haut. Et là, on voit les façades, c'est beau, hein, avec les cheminées. Je crois qu'à l'époque, ils avaient même prévu la prison. Il y a voilà. Ah, sympa! Belle maison ici, qui est semi-troglodyte, en fait. Avec un arc-boutant, là, super.
enfin non, c'est pas un arc-bouton, je sais plus comment ça s'appelle, enfin je suis pas tailleur de pierre. Hommage aux copains tailleurs de pierre d'ailleurs. Louperi, Acacia, Roca, Bastille, Nalin, 1990. D'accord, je sais pas ce que c'est que cette langue. Ok, allez, on continue. Alors là, il y a une cave. Et là, il y a une grande maison. À étage. Mais il y en a partout, en fait. Est-ce qu'on on prend le chemin à droite, là? Regarde, Jan, on passe par là. Allez, on va voir. Chute de pierre, oui, bah tu m'étonnes. Allez, on avance. Non, c'est pas une bonne idée. Ah bah là, c'est pas une bonne idée. Et là, il y a un gros trou, en fait. Pas des escaliers. Non. Il devait y avoir des poutres pour l'étage parce qu'on voit les trous. Tu vois. Et ça, je crois que c'est le canal du Rhône qui alimente une centrale, je pense. C'est beau, hein, par ici. On va par là. Là, il y a encore des maisons en haut. Hein. Papa, on va par là. Superbe. Un peu obligé d'aller par là parce que B1, c'est un de mes surnoms. B1, B1. Alors Clémence, on y va ou on n'y va pas? On y va. Allez, go. Allez. Moi, je passe par là. Ouais, c'est bien ce que je disais, il y a la centrale hydroélectrique, la marée, un peu marée motrice qui est là. Non, en fait, c'est une différence de niveau du canal. Donc sur cette partie-là, le canal est plus haut. Et puis, donc il y a la centrale qui est ici et ça déverse l'eau au niveau qui est plus bas, là, qui entraîne les turbines, un peu des lacs. Ça fait pas de mal, là. Voilà, j'ai perdu mes filles. Allons-y. Ça va, elles sont pas loin. C'est un petit peu dangereux quand même. Mais ça va. Allez, on avance, on avance. Là, on est sur les hauteurs du village. Bon, alors bien sûr, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette petite balade. Voilà, comme ça, ça va gratouiller un peu les algorithmes, et c'est très très bien. Ah, il y a une table d'orientation, là. Table d'orientation, on va voir. Bon, ben voilà, je suis arrivé chez moi, B1. C'est là. Ça va pas jusqu'en bas. Ah bon. Allez, on avance. Parce que là, la nuit tombe. C'est beau, hein. Alors par où on descend? On descend par là ou on continue par là-bas? On descend par là? Alors essayons, fais attention parce que il y a du vide quand même. Allez, on essaye, c'est parti. Bon, on s'est aventuré dans un petit chemin, j'espère qu'on va réussir à descendre. Parce que là, on est vraiment haut, la falaise, elle est juste là. Mais il y a le chemin, c'est balisé, donc a priori c'est bon. Ça va derrière? C'est bon? Allez, on y va. On est vraiment des aventuriers là. On est dans des petits chemins juste à côté là. Je vous montre la vue. Mais c'est bon, c'est balisé, hein, faut pas vous inquiéter. Donc on a fait tout le haut de la crête là, dans la forêt. C'est vraiment super. Ah ouais. Allez, on continue. Bon, il commence à faire nuit là. Ça vous plaît cette randonnée? Oui. Allez, on avance parce qu'il va faire nuit.
Allez, c'est parti. Il nous reste juste à descendre. Oui. C'est bon, on a réussi. Et là, on vient d'arriver à la voiture. Et alors, c'est marrant parce que le chemin, la fin de la randonnée, ça arrive juste au-dessus de la route, quoi. Et on est arrivé pile poil parce que là, il fait quasi nuit. C'était chaud, chaud, chaud. Ça vous a plu, les filles? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les internautes? Ils doivent ça... Bonner. Ils doivent laisser des... commentaires. Et des... pouces bleus. Voilà, allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.